Comme à leurs habitudes, depuis le début de cette campagne des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, le ministre des Sports et Loisirs et le comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football Association étaient en séance de travail et d'harmonisation ce jeudi. Séance à laquelle a pris part le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, qui accompagnait le président ad intérim de l'instance fêtière du football congolais. À 8 jours du premier acte de la double confrontation RDC-Maroc, le ministre des Sports, la FECOFA et le sélectionneur congolais affichent une sérénité sans précédent. Todos unidos, todos juntos, tirar todos para el mismo lado. Que lo más importante es que nos sean todos unidos y que nos partamos de la misma dirección. Que todo el pueblo congolés es motivado detrás de la selección para que nos puedan se qualifier. On a tous conclu qu'on doit donner le maximum pour que nous puissions donner la joie au peuple congolais. Quant à la liste des léopards sélectionnés pour la double confrontation, Hector Raoul Cooper rassure. Non, qui va estar, non, es probable. La liste est déjà préparée dans peu de temps et vous aurez tous le nom des joueurs qui seront convoqués. A noter que le début du rassemblement est prévu pour le 21 mars prochain à Kinshasa, avec probablement l'arrivée de l'international congolais. Mais Meshack Elia a laissé entendre Hector Raoul Cooper.